Ouais, Mali, Canada, et 2 ans passés, on va dire ça, ouais. Et voilà que, bon Dieu a arrangé ça pour que c'est lui-même qui est capable de prédicateur, nous, à souhait. Nous, on dit bon Dieu merci pour ça. Ça, on en connaît depuis longtemps. Depuis le fait que nous, philosophie pour aller dans l'école de médecine au CAI, pour rencontrer avec monsieur depuis le SAD, nous avons été bons amis. En tant que j'entends hier soir, nous pas seulement bons amis, nous sommes frères. Et nous croyons que bon Dieu est un spécial mot que nous avons pour nous-mêmes à souhait. Ou à pas songer, parce que c'est nos frappes du jour à feu, parce que c'est nos frappes du jour de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince, c'est petit, parce que c'est nos frappes dans la foi. Et nous contents de ce que mon Dieu permet qu'elle est capable avec nous à souhait. Moi, quand on applaudit le Saint-Esprit qui va parler un message pour nous-mêmes à souhait, que mon Dieu est capable de bénir et que mon Dieu est capable d'utiliser voile pour parler avec cœur. Que mon Dieu bénisse nos serviteurs. Que la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Sinon, on va parler avec Pasteur Samuel, c'est dit, ma petite, est-ce que vous avez vu aller à 10h? Donc, nous comptons pour nous là avec vous à ce soir-là. Hier soir, nous avons eu l'occasion pour nous te saluer, vous. Et à ce soir-là, nous là, pour nous capables de commencer le ministère que le Seigneur va nous, à ce soir-là, demain soir, samedi soir, dimanche matin et dimanche soir. Et m'espérer que nous ne sommes pas fatigués avec nous. Donc, le Seigneur est capable de bénir nous ensemble. Donc, Pasteur Samuel, merci pour l'invitation. Comme il dit, ça fait 30 ans, nous bien, nous amis, nous dormons dans la même cabane, dans la même chambre, nous mangeons ensemble. Donc, maman, c'est maman, c'est maman, famille, c'est famille. Donc, nous sommes poissons crasés dans le bouillon. Donc, nous contents de nous retrouver, nous, et contents de faire connaissance avec un pile de monde que nous avons parlé, nous avons entendu, et nous contents de nous faire. Que bon Dieu bénisse. Moi, porter salutations aussi à la famille, moi, madame, moi, qui c'est une femme extraordinaire, une épouse extraordinaire que le Seigneur est pour moi. Et avec deux petites que j'ai gagnées, un garçon et une fille, qui avec nous dans le ministère, nous saluons. Et nous saluons aussi les membres de l'Église, une jeune Église que nous avons dirigée, que nous sommes sur le point d'implanter du côté de Laval, l'Église évangélique du renouveau. Donc, il y a un peu le cap gardé nous là. Donc, nous saluons. Que bon Dieu est capable de bénir nous. À ce soir, mes frères et sœurs, nous venons là, c'est pour nous capables de partager avec vous le message de la parole de Dieu qui, autour de thèmes que nous avons choisi pendant ma servie, la caille bon Dieu, la restaurer. Est-ce que nous avons dit ensemble avec moi, en pile là, dit la même? Ça, c'est un très bon thème. Et nous féliciter l'Église là, qui t'a choisi comme ça. Et nous sommes sûrs et certains que depuis dimanche, on a béni à travers comme ça. Et nous sommes certains que le Seigneur va continuer à bénir. Thème qui est tiré dans le psaume 23, versets 1 à 3, que nous sommes tout à l'heure. Il y a une jeune fille récemment m'a regardé sur la page Facebook et qui écrit une belle pensée, qui a expliqué comment dans la situation que tu es, dans la phrase, dans celle qu'elle écrit, elle dit, le regarder derrière, m'a regardé, m'a jeté un coup d'œil dans sa passé, m'a jeté un coup d'œil sur l'erreur que je commets. M'a gardé chute moi yo, m'a gardé déception que moi recevoir yo, mauvais coup que moi recevoir yo, moun ban moi, on prend un peu de mauvais coup hein, mauvais coup moun
ban mwen injure yo, moun ki t'ap toise yo, blessure mwen yo, trahison ke m te victime de yo yo, humiliation ke m te pran nan men moun. Lè m ap gade bagay sa yo et puis il mette 3 points. Et après 3 points, il dit le kounye ya mwen gade. Le m ap gade kounye ya nan yon miroir mwen wè yon lòt bagay. Le m ap gade kounye ya nan yon miroir mwen wè yon lòt bagay. Qui savait, ouais, une femme mature, une femme cultivée, une femme indépendante, une femme intelligente, une femme forte, une femme qui était fini par relever de tout ça que tu as gardé, que tu as subi dans le passé. Est-ce que vous réalisez processus là, humiliation, trahison, chute, erreur. Maintenant, il passe par une femme qui est forte, une femme qui est intelligente, une femme qui révèle de tous ses états. Cette femme était, c'est une chrétienne. D'ailleurs, ça que me dit, elle fait sortir dans un livre que lui relève le pouvoir ou la détermination. Femme ça, jeune femme ça, que moi connais très bien, lui fait expérience de nos restaurations. Le dit que lui finit par renouveler, c'est que lui connaît dans qui est altéré, lui connaît dans qui niveau qu'elle altéré. Mais je dis à lui debout. Nous capables de comprendre que pour te renouveler, sorti dans l'état où il était consenti des sacrifices, n'est-ce pas? Il était fait des sacrifices. Oh, il était animé de un sentiment de détermination pour dire état que il y a un tacaille de la dent. Femme levée, femme sortie. Vous connaissez des gens qui ne peuvent pas gagner des situations où il y a là présentement. Par contre, la vie, parce que pasteur Samuel n'a pas parlé de vous. Mais il y a des gens là qui regardent. Quelle situation là dans le présent moment ça. Si vous êtes juste déterminé, vous êtes dit non, je ne peux pas sortir dans ça. Femme le vote est sorti déjà. Nous sommes à l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui était dans une situation, dans un premier temps, il était la caille papale, il était que tout ça était possédé, il était bien, il était que serviteur, il était que servant, qui était au service de lui-même, il était que petit monde qui pouvait aller chercher de l'eau pour lui, pour le payer. Il était que un monde qui a lavé la vie, qui a mangé. Puis voilà, il est laissé l'emporter par les attractions du monde. Et il partit, il quittait la caille papale. L'hypatie de quitter Kaye famille, laissant ainsi chambre à coucher, télévision qui la donne, tout l'autre gadget qu'elle gagne, l'hypatie, la louer Kaye avec Zami, la l'appartement, il faut qu'on même, t'as vu, vous le dit, il faut qu'on même, l'être qu'on même sèche. L'hypatie en vie partie. Et c'est ça qui grandit le jeune nous aujourd'hui. Il y a la Kaye papa, il y a bien quoi. À peine, il y a peut-être 18 ans, ping! Il dit maman, papa, papa. C'est comme si Déoa, quand il y a un patron sacré, les pays mille. Mais, jeune garçon, ça a délivré dans une situation côté que la ville était changée. Il sortit dans l'état, côté que ça était bien pour lui. Mais voilà, il a trouvé la garde des cochons. Au point d'elle, même. Mais manger la paille cochon, elle n'a pas de cas manger. Et un jour, il prend une résolution. Et une résolution, pas prêter seulement une résolution, mais elle était déterminée. Elle levée, la lacaille papale, elle était restaurée. Elle était restaurée.
Mes frères et sœurs, revenons à cette jeune femme qui dit, moi, fini par sortir de l'état à côté de l'éthéa. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il était consenti en plein sacrifice. Il était prêt des résolutions. Il était animé d'un sentiment de détermination. Voilà comment elle te fait sortir de l'impasse côté de te trouver. Toutefois, nous devons comprendre d'une part qu'elle n'est pas seule dans le processus. Vu que nous t'ai dit au préalable que cette jeune femme est une jeune femme chrétienne, il te fait assez confiance à ton Dieu pour que l'elle prend une décision, l'elle apprend un chemin pour que bon Dieu vienne ensemble avec lui. Et voilà que bon Dieu permet que lui arrive à rêve que lui t'ai gagné. Dieu t'a aidé et te permet que lui t'ai capable de camper debout. Mes frères et sœurs, besoin qu'on ait un bagage à soi. Ennemi, il croit souvent que il est capable de réussir par déstabiliser nous. Il est capable de finir par non seulement déstabiliser nous, mais ennemi en penser que il a détruit nous. Ennemi en penser que il a fini avec nous. Il fait un pile de bagages déjà pour finir avec nous. Des fois, quelque bagage est mis en fait pour finir ensemble avec nous. Il compte passer par Marie pour finir avec. Il compte passer par Madame pour finir avec. Il compte passer par Petite pour finir avec. Il compte passer par Zombi pour finir avec. Il compte passer par Associé pour finir avec. Il compte passer par Collaborateur pour finir avec. C'est comme si vie nous te dépendait de lui. Mais ça, ça ne va pas connaître. C'est que il y a un monde qui font projet sur tête nous. Et monde ça qui fait projet sur tête nous, il dit dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Disons ensemble, un avenir et de l'espérance. J'ai appelé à faire tout petit qu'on est même pas qu'à finir avec sa vie de mon Dieu. Diable a te mettre fait tout petit qu'on est, même pas capable de finir à conserver mon Dieu. On tombe serré, mais on vient pour lever. Car 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Deux pièces seulement nous dit la parole de Dieu. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pas pour cette situation à vivre là. Alors, à Pasteur Samuel, te fait référence à Pasteur Sénopha. Et il y a une bagarre parce que ça qu'on dit épreuve pas tous les chrétiens, mais les former au point mesure pour jouir de bénédiction, mon Dieu. Pas qu'il y ait des problèmes, nous, parce qu'on a une bénédiction, Captain. Ou une restauration, Captain. Pas qu'il y ait des problèmes pour toi, aller. Pas quitter le problème en paix chose. Au contraire, les problèmes de ministère du bon Dieu pire parce que nous dit pendant notre travail pour mon Dieu la restaurer. Amen. Mais comment est-ce que vous nous connaissez à soi, mes frères et sœurs? Souvent, quand nous parlons de restauration, là, on a parlé de restauration. Nous souvent faisons référence à restauration corps, restauration physique. Nous souvent faisons référence avec restauration dans le domaine financier, restauration dans le domaine mariage, non. Restauration dans pilote, restauration sociale. Mais moi, je veux dire mon bagage à soi. Qu'est-ce qu'une restauration financière? Qui ça y a une restauration financière? Qui ça y a une restauration sociale? Qui ça y a une restauration conjugale? Si non, on pas restauré. Ma quoi dit là? Qui ça y a une restauration sociale pas suffisante? Une restauration conjugale pas suffisante? Parce que, mes frères et sœurs, lorsque nos familles, ou
divorcé depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans, qui retournent ensemble et puis après, tu as redivorcé encore. Est-ce que tu comprends ça veut dire? Quelqu'un qui était pauvre, qui était riche dans le premier temps, qui vient pauvre, après ça, qui était pauvre, qui vient riche, après ça, il retourne pauvre encore. Oui, quelqu'un qui a perdu le travail, il a joué le travail, et puis après ça, il a retourné dans le chômage encore. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous voulons dire à Soya, une restauration spirituelle, une restauration conjugale n'est pas suffisante. Une restauration sociale n'est pas suffisante. Une restauration conjugale n'est pas suffisante. Sinon, on ne va pas restaurer. Parce que c'est l'homme d'abord qui veut restaurer. Parce que les noms vous restaurer, les vignes humbles, les noms vous restaurer, vous vignes obéissants. Mes frères et sœurs, tout à l'heure, nous galouel. Les noms vous pas restaurer, ou pas caille, ou pas caille au mouton, ou son bouc, qui a pompé, ou toujours à pompé. On ne peut pas n'est pas restauré, car l'église c'est vrai. Mais ce sont des gens qui sont toujours fâchés. Ce sont des gens tout bagaille et dérangés. Ce sont des gens, pour dire faire ça, ils sont estomaqués. Ce sont des gens qui sont restaurés, ce sont des gens qui sont humbles. Ce sont des gens qui sont restaurés, ce sont des gens qui sont obéissants. Voilà pourquoi on dit, pendant ma travail pour mon Dieu, non moins à restaurer. Mais est-ce que vous travaillez pour mon Dieu vrai? Ce n'est pas juste une église là. Question pour vous, Assoya. Quel genre de restauration vous cherchez? On pire bon travail? Yon mari, yon madame? Yon ménage? Yon gout? Quel genre de restauration que vous cherchez? Je pense que la meilleure restauration que tu as cherché dans la semaine réveil, c'est la restauration pour nous. Les noms ont restauré ou transformé. Dans 2 Corinthiens 5, chapitre 17, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va regarder ça encore. Dit, si quelqu'un est en Christ, d'abord, il faut être en Christ. On peut être membre de la première église haïtienne, nazaréenne de Nashville. Mais pourtant, on n'est pas membre du corps de Christ. Première démarche là, mes frères et sœurs, pour non vous restaurer, c'est chercher à entrer dans Christ. Parce que tant et aussi longtemps, vous ne pas entrer dans Christ. Non, vous ne pas qu'à restaurer. Nous parlons ça, nous parlons de qui ça nous parle. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, ou c'est au monde qui, lors de son nouvelle création, ou c'est au monde, le fait qu'on vient à Christ, Christ crasé, Christ démonté, il referme. Maintenant, l'œil au web, yo parle, c'est Jeanne qui était Saint Jean hier, mais yo un nouveau Saint Jean là. Yo parle, c'est Elisabeth qui était pour la troisième nom, mais yo c'est Elisabeth, l'elle ouais on lit tout près pour le bal accolade. Le ouais frère Jean, yo parle frère Jean qui toute la journée a pas frappé, écrasé, brisé. Mais il y a
voyons frère Jean qui semblait à Christ. J'espère qu'il va y avoir frère Jean. Donc, l'homme est en Christ, Christ prend l'idée en terre et lui retire toute bagaille qui part pour yo, toute bagaille qui mauvais yo. Maintenant, il vient mettre des sentiments pâles pendant. Voilà que, il dit, moun bouteille hier, ou passe encore. Il dit, les choses anciennes sont passées. Qu'on est là, ou pas en jouer encore, ou pas en prendre mari moun encore. Ou pas dans la madame mon encore, ou pas dans la bêtise encore, ou pas dans la faute mal taille encore, ou pas dans la médisance encore, ou pas dans la jalousie encore. Maintenant, parce que vous marchez en nouveauté de vie, puisque vous êtes nouvelle, une nouvelle création. Amen. Est-ce que nous la soyons là? Vous êtes une nouvelle création. Donc, mes frères et sœurs, allez ça, d'après ça, comprendre, et pasteur a sauté tout à l'heure là, dans la prière, le Seigneur est de passage dans cette assemblée. Assurément, il y a des témoignages qui prouvent ça. Assurément, il y a des bagailles visibles qui permettent que nous capables rendre compte que le Seigneur est de passage dans l'église par ici. Mais pendant la passée dans l'église là, il voulait guérir. Le Seigneur voulait continuer à guérir. Par contre, qui maladie ou gagne, il voulait guérir. Pendant la passée, ou juste besoin de manger merde, livré, guéri, cœur qui brisait. Non seulement livré, guéri, cœur qui brisait, mais livré, relevé, si la yo qui courbait. Livré, restaurer, moun sa yo qui brisait. Pendant que la visite est peuple à Soya, ou pendant la saison ça, livré, rétablir peuple physiquement, livré, rétablir peuple socialement, mais surtout, livré, rétablir peuple spirituellement, c'est-à-dire, livré, restaurer l'âme. Livré, restaurer l'âme, mes frères et sœurs. L'intention de Dieu pour petite lit, c'est pour toujours menez-nous dans une intime relation avec lui. L'intention, mon Dieu, pour petite fille, c'est pour être capable de mener dans une dimension nouvelle avec elle. Nous chantons, moi je voulais dans un autre niveau, c'est pas vrai? Donc l'intention, mon Dieu, c'est toujours que vous êtes capable dans l'autre niveau. Ça. Voilà pourquoi un bon jour il avait choisi de prendre Pierre, Jacques et Jean pour permettre qu'ils deviennent l'expérience ça, pour qu'ils deviennent dans une autre dimension, dans un autre niveau. Et c'est l'intention que Dieu pour moi avec vous, pour mener nous, well, dans une autre dimension. Cependant, mes frères et sœurs, cette relation, la possible, si cœur nous en diapason avec cœur par mon Dieu. Nous disons, attention mon Dieu, c'est pour mener le peuple à ouais, dans une autre dimension, dans un autre niveau, à développer une intimité à elle. Cependant, intimité ça, dimension ça, l'impossible, c'est si et seulement si cœur à cœur mon Dieu fait en seul. Comment cœur y est par rapport à cœur mon Dieu? C'est la question. Assoyez à table et menez-nous dans une réflexion personnelle. Comment cœur y est par rapport à cœur mon Dieu? Ah, vous pouvez chanter, c'est vrai. Vous avez une belle voix, c'est vrai. Vous
ka kon preche sel, ou ka kon dirije sel, ou ka kon, ou ka bay pi gwo dim nan ofrande lan, nan l'eglize, pi gwo ofrande men, koman ke ou liye par rapport a mon Dieu? Parce que, mes frères et sœurs, lorsque cœur en diapason à cœur, mon Dieu, il y a des réactions pas faites, il y a des façons pas agir, il y a des paroles qui passent dans mon chou, il y a des façons pas marcher, il y a des contours pas aller, il y a des pensées ou pas gagner, lorsque cœur en diapason avec cœur, mon Dieu. On comprend que quand David lui déclarait l'Éternel est mon berger, c'est pas quelque chose que t'ai dit en l'air comme ça. L'Éternel en tant que berger, lui c'est avocat, lui c'est pourvoyeur et lui c'est mon cap restauré. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 8, David a déclaré, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Donc il avait dit, du fumier, Dieu relève l'indigent. Dieu est en train, David est en train de parler de restauration. Bon Dieu, patron, lorsque vous ne pensez pas à rien, et puis il faut être famille. Ah, il y a plus de monde. Ah, non, au moment dans la vie, yo. Je ne pas prêt au moyen. Même dans le mariage, je ne vais pas t'inviter. Mais je dis, hein, pour qu'on te fait mal, c'est ouvrir. Parce qu'on a pays étranger. Pour qu'on va faire mal, c'est où il y a. Pourtant, l'autre est dans la croix, le baron. C'est comme ça même. Je ne vais rien dans vie. Mais mon Dieu, fait un pile bouche fermée. Et soit regardé dans le miroir, vous dire, ou regardé, ou vous dire, hein, c'est pas même bagaille du tout, hein. Vous avez dit, oh, ouais, mon outil, mais bon Dieu. Mais, lorsque vous pensez à ça, mon Dieu fait, comment non mouillé par rapport à nous? Qui est-ce mouillé, je vous dis? Ah, mes frères et sœurs, demain soir, on va parler de ce Dieu qui restaure. De ce Dieu qui restaure. Mais avant même de vous parler de ce Dieu qui restaure, on regarde bon Dieu ça, que David le bon berger. Dans Luc, chapitre 4, verset 18 et 19, Jésus est entré dans le temple là et il n'y a pas de livre la loi pour faire lecture. Il fait lecture qui trouvait dans Ésaïe 61 et 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'amène pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Dans le texte, mes frères et sœurs, Jésus-Christ était en train de parler du Messie. Le Messie qui n'était nul autre que lui-même. Jésus-Christ est en train de décrire le travail qu'il fait sur la terre. Le Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et bonne nouvelle que le Seigneur voulait annoncer aux soyeurs, mes frères et sœurs, ou même pendant la semaine, ça, c'est que
si la visite de l'église à Nessa, il commence à délivrer quelques mondes, il commence à faire quelques mondes résidences, il commence à faire quelques positions à quelques mondes, moi je veux dire que l'église est plus encore pour vous. Bon Dieu, il est plus encore pour vous. Non seulement pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais pour annoncer ou publier la liberté aux captifs. Par contre, on a qui prison pour y aller à ce frère. Peut-être prison pour y aller là-dedans. Son prison de péché. Son prison de mensonge. Son prison de où est ou parler, ou pas ouais ou pas parler. En prison de je ne sais pas, mais le Seigneur dit une doua soya et délivrance pour vous. Amen. Et c'est souffler. Non seulement pour publier la libre, pour rendre libre les captifs, mais aussi pour donner la vue, pour permettre aux aveugles de recouvrir la vue. Mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu est ouais. Au cas où la carovina, ça veut dire que spirituellement ouais. Or, il y a une de nos situations d'aveuglement spirituel. Quand les armées étaient entourées de Jérusalem et que ils ont entré pour faire la guerre à peuple, Géasim tremblé, Géasim peur. Géasim n'a pas compté pour mettre l'école. Mais Géasim s'accrivait des points interdits sur la ville à cause de leur péché qu'il était fait. Géasim n'a pas compté que ça était avec Yoa plus fort. Parce que ça était des âmes qui étaient dans la main. Guerrier. Lorsque Géasim paraît côté Élysée, il nous dit mais qui ça va faire? Mais l'armée a bien entouré nous. Nous par contre qui ça peut faire, nous pas qu'à monter, nous pas qu'à descendre. Et le serviteur de Dieu a compris que c'est parce que Géasim était avec. Et il priait, il dit Seigneur, ouvre les yeux pour le carré. Yes, il y a plus mon assoyer que des problèmes ou après dans la vie aujourd'hui. C'est parce que Dieu parle au vie pour contempler la grâce de Dieu. Yes. La gloire de Dieu. Le Seigneur veut dire nous à soya, les gains recouvrement de la vue pour nous-mêmes. Livre renvoyer libre les opprimés et mettre en liberté ceux qui sont froissés, foulés et brisés. Livre guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mes frères et sœurs, remarquez dans le texte, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe guérir. Je veux dire, mes frères et sœurs, le Seigneur, quand il vient, c'est pas juste bander en plaie, c'est pas juste penser en plaie, mais c'est guérir plaie. Il y a un plaie ou bien dans la vie, voilà. Peut-être son plaie qui est causé par un madame, son plaie qui est causé par un petit. Son plaie qui est causé par un mari. Oh, ou prie, ou frappe, bagaille, ouais, si plaie à ça, si plaie ça, t'as guéri. Il y a des gens qui parlent de mon Dieu, qui ont des blessures dans le cœur. Ils ont un endroit où ils ont oublié le problème. Mais pour faire le droit de la passer, blessure la retourner. Il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur. Causé par une situation, il y a le sexe pour y avoir si blessure à se tablier. Mais après ça, des fois, sexe là qu'on provoque par la récupérer parce qu'on a une maladie d'air. Oh, que monde, mes frères et sœurs, c'est voyager ou voyager pour y avoir si on tablier. Si on t'a oublié blessure ça, qu'a ravagé cœur yo. Mais
bagay pou fè a, c'est juste penser, on petit pansement le mettre. C'est bandé. Lorsqu'on pansement sur un malin, après deux jours même qui c'est qui n'a santé, après deux jours faut retirer, c'est pas vrai. Ça quoi là, la paix est infectée. Mais le Seigneur dit d'où à soi a que la passer dans sa la pour guérir blessure. Il pas juste bandé mes frères et sœurs. Il pas juste penser mais la guérir. Mais pour guérir, au besoin ouvrir cœur. Il dit dans Apocalypse 3 verset 20, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Remarquez mes frères et sœurs. Le Seigneur dit je suis à la porte et je frappe. Le Seigneur va prendre dans le cœur sur ma ouvrir la vie. C'est plus facile pour nous ouvrir que nous bailler nos amis que nous ouvrir bailler mon Dieu. Il y a des bagages qui traversent le cœur, pasteur, 46 heures, pas qu'à faire rien pour vous. Psychologue, pas qu'à faire rien pour vous. Mais c'est seulement mon Dieu, vous dites, Seigneur, mes cœurs, prends. Entrez là. Par contre, quelle situation là, quoi, soit. Par contre, qui ça a traversé? Par contre, qui blessure que vous gagnez dans le cœur? Et que vous avez besoin d'une guérison, d'une restauration. Le Seigneur dit nous à soi, il est prêt pour restaurer. Il voulait guérir. Réaliser combien mon Dieu est bon. Parce que s'il permet de attendre des messages à soi, c'est parce que il n'est pas vu blessure ça aggravé. Nous chantons souvent mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus, mais que nous parlons, mon Dieu. Quand nous t'annoncerons demain soir, on va parler de qui est-ce, bon Dieu salué, qui restaure. Parce que quand David dit, l'Éternel est mon berger, il compte ça le dit. Et au même, l'autre dit, l'Éternel est mon berger, est-ce que vous connaissez le bon Dieu, ça va parler là? Parce que bon Dieu ça, de le restaurer. Arrivé à ce moment, nous parlons de ça demain si tu veux. David te dit, il y a un moment dans la vie, moi t'es un couillon vert pour les hommes. Il t'a considéré dans ton absolu 22, regardez, il dit, moi t'es considéré comme un vert. Ou vert de terre, vert que nous connaissons vert. Hein? T'as dit que moi, pas te présenter rien. Même par un David t'a oublié lui. Lorsque le Seigneur lui voyait Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller chercher le premier roi, ou plutôt le deuxième roi d'Israël, et Samuel arrivait, Isaïe qui s'est papa David, fait défiler devant Isaïe tous ces géants garçons, et il t'a oublié David. Tandis que Samuel, à chaque fois que lui voyait une géant ça au passé, il dit, certainement c'est lui-même ça. Mais le Seigneur dit Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Samuel était découragé, le fait que lui voyait tout l'exaïe, c'est cet homme qui était passé, et pourtant bon Dieu m'a choisi. Il dit, mais qui est-ce en toi? Choisi. Monsieur Sayo, il est bien portant, il est bien campé, il est un gros portail, il est un gros estomac, il est plus semblé roi, mais qui est-ce encore? Ça vient te voulait aller, mais qu'il était lourd, le Seigneur dit non, c'est pour aider, mission pour finir. T'es bien fait, il est sorti pour ouvrir cette fête là, sans que, non, et
Le bon Dieu veut restaurer. Il y a des décisions qu'à prendre tout autant que vous parlez la décision à pas qu'à prendre. Oh, Isaïe, t'es tué peuple, tu es carouite, t'es gagné, on va pas fou, t'es gagné cola, t'es gagné maconnet, t'es gagné lica, t'es gagné toutes sortes de bagailles là. Vous faites la fête, mais faites la coco café. Livre pour ça, mais moi je savais que c'est pour vous qu'à manger. C'est pas ça que je fais, parce que mission pour vous faire. En fait, l'autre, ça m'a obligé de dire, Isaïe, mais est-ce qu'on a l'autre petit? C'est le ça. Isaïe va le là, peut-être, il va dire, ah, considère oui. C'était le numéro 8, peut-être. Non, la cahier, mon Dieu, c'est le numéro 8, là, oui. Peut-être que c'est le dernier ça. Que non, tant il n'y a pas de bon moyen. Non, tant il n'y a pas de respecté. Mais je dis à eux, le matin, tu aurais le tonton. Parce que bon Dieu prend du fumier de la terre. Et il est levé. Il met toi dans le pays. Côté que au cas rentré dans n'importe quel hôpital. Au cas marché libre. Pas que il y a sécurité, parce que sécurité nous c'est pas bon lié, mais au cas dormi, plus ou moins à tête reposée, au cas rentré de $3. Oh Dieu. Mais connais que c'est pas ça seulement qui est suffisant. Mais Guénon. Amen. Et c'est ça qui est priorité pour mon Dieu. Il prie pour Paul tout bagage. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je choisis l'Éternel mon berger, je ne manquerai rien. Mais on parle plus tard, il dit, il restaure mon âme. Et l'homme ça que mon Dieu restaure, ce n'est pas un homme qui convertit facilement. Ah. Son homme qui est orgueilleux, non, il est orgueilleux, il est pour plus tard. Non, il est capable. Il est capable, au lieu que vous étiez à genoux, non, capable, vous l'aurez été debout. Non, David, lorsque bon Dieu te mettait le côté pour te mettre, il te voulait jouer le tour pour le faire penser que ce n'est pas force ni que là, ce n'est pas connaissance ni que là. Et dans son sens, pas David, pas dire à l'homme, non moins. Bénis l'Éternel. Si vous n'avez pas l'autorité sur le nom ça, pour être capable de servir mon Dieu, vous n'avez pas besoin de servir mon Dieu. Vous n'avez pas tout le bagage dans le monde ça. Maintenant, vous n'avez pas besoin de pécher, vous mettez à jour. Alors voilà pourquoi, mes frères et sœurs, soyez. Vous devez vous aller avec question de réflexion ça. En guérison, en restauration physique n'est pas suffisante. En restauration conjugale n'est pas suffisante. En restauration sociale n'est pas suffisante. C'est cœur par restauré. Le Seigneur a passé dans sa vie. Il commence à faire des travaux. Mais il voulait prendre soin d'un homme. Qui est-ce qui voulait, qui sentit que l'homme empêchait de servir mon Dieu? L'homme, c'est la orgueil, Chita. L'homme, c'est la hautain, Chita. L'homme, c'est que ou pas égal à personne. L'homme, il ne faut pas qu'à humble. L'homme, il ne faut pas qu'à obéissant. Qui est-ce qui voulait asseoir? Ou ta. Pour t'apporter le nom, mon Père, mon Dieu. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Dans les voix, dans les toc-toc, que le Seigneur a le cœur à soi. Il veut prendre possession là de vous. Il faut capable de nous concrétiser. Et pas bon, pas bon.
Si vous n'êtes pas bon, parce que ça, elle t'a dit ça. Oh bon. Mais elle t'a vopi bon toujours. Elle t'a vopi bon. Et ou même, ou connaît que ou t'es qu'à pi bon que ça. Donc, bon bagay qui empêche ou pi bon. Mais sans ou connaît qui empêche ou pi bon, on a vite poté le Seigneur. Est-ce que vous voulez poté le Seigneur à ce moment-là? Moi-même, je connais ça qui a de faire pi bon. Et chaque jour, je prie le Seigneur pour que lui maîtrise tout ça qui empêche de vivre le monde que nous voulons. Nous chantons, moi je voulais sembler au Jésus, mais nous ne pouvons pas sembler Jésus. Les regardons dans le travail, nous ne pouvons pas sembler Jésus. Les regardons dans l'autorité, ou pas sembler Jésus vraiment. Lorsqu'on sait sembler, on ne peut pas sembler Jésus vraiment. Tandis qu'elle nous dit sembler ou c'est des hymnes. L'aime seul, l'aime parmi le monde. Sembler ou dans toute vie, moi je veux sembler Jésus. Ou voulez, mais qui est forfait pour sembler Jésus. Parce que le Seigneur fait appel à l'âme. Seigneur, merci pour parole, parole. Merci pour façon de parler à cœur par personnellement. Alléluia. Merci Seigneur pour façon de parler à cœur. Donc les côtés de la vie, nous barons. Vous connaissez Seigneur tout ça que vous voulez changer pour qu'il y ait un confort à volonté. Pour qu'à venir, mon que vous voulez, moyer. Travaille moins, Seigneur. Travaille non moins. Travaille comme moins. Travaille la vie moins. Pendant que vous passez dans cette salle-là, soyez, Seigneur, vous avez touché, vous voulez guérir les cœurs, Seigneur. Il y a des cœurs, Seigneur, dans la minute de ça. C'est bandé, bandé. Il y a des blessures profondes. Il y a des situations qui font crier chaque soir. Pensement sauté, pensement bêté. Bien sûr, Seigneur, si vous voulez guérir, Seigneur. Vous voulez porter le cœur en bas, Seigneur, qui est blessé. Blessé à cause de famille, qui blessé à cause de madame, qui blessé à cause de petit, qui blessé à cause de mari, qui blessé à cause de patron, qui blessé à cause de situation, la vie que nous avons. Mais nous connaissons ce bon Dieu qui peut nous guérir. Dans le psaume 103, David dit, ou guérir toute maladie. Tu sais de quoi nous sommes. Mais tu te souviens que nous sommes poussiers. Mais nous mettons pour la guerre dans le pied au Seigneur, la présence. Car tu dis dans ta parole, quand on regarde à toi, on est rayonnant de joie. Et sous visage, non, pas gagné, pas gagné confusion, pas gagné regret. Nous portons peur pour pas avoir soin. Restaurer dans le cœur au Seigneur. C'est vrai, nous avons besoin de restauration dans le domaine financier. C'est vrai, nous avons besoin de restauration dans, dans tout notre domaine. Mais nous avons besoin d'avoir restauration dans l'âme, mon Seigneur. Afin que nous soyons capables, chrétiens, que nous voyions. Chrétiens qui semblent à nous. C'est que cœur nous assoyons, mon Seigneur. Pas parce que nous avons mérité nos bons, mais c'est avec pardon péché, nous, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Aussi. Seigneur, vous bénissez.